Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau trade horreur. Il n'y en aura qu'un aujourd'hui parce qu'il est assez long, donc sans perdre plus de temps, c'est parti. Donc cette histoire s'appelle Rencontre à l'hôtel. On a Elodie qui nous raconte quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'elle était réceptionniste dans un hôtel. Elle avait des horaires assez spéciaux. Elle pouvait aussi bien travailler de 6h du matin jusqu'à 14h que de 14h à 22h ou de 22h à 6h du matin. Je crois que ça s'appelle les 3-8, ça, il me semble. Donc pour dresser un petit peu le tableau, elle nous explique que la réception se trouve juste à côté des ascenseurs pour les clients de l'hôtel. Des clients doivent quitter leur chambre à 11h le matin. Elodie nous raconte que c'est un réflexe professionnel qu'elle a, c'est que dès qu'un client sort de l'ascenseur, automatiquement elle lui dit bonjour. Et si elle le voit se diriger vers la sortie, elle lui souhaite une bonne journée également. Ce jour-là, l'hôtel était complet. Il y a un client qui sort rapidement de l'ascenseur à 11h, il fait même pas attention à elle, il se dirige vers la sortie et elle lui dit bonjour. Donc là, il se stoppe net dans son élan, il se retourne, il lui sourit, mais il lui répond pas. Au lieu de ça, il reste planté là, quelques secondes, à la regarder. Et puis du coup, il décide de ne pas sortir, il va s'asseoir sur les fauteuils de la réception. Fauteuils qui sont placés donc juste en face d'elle. Bon, Elodie fait pas attention, elle retourne vaquer à ses occupations. 30 à 40 minutes plus tard, elle commence à se sentir mal à l'aise. Elle lève la tête de son ordinateur et elle voit que l'homme, il est toujours là, assis sur le fauteuil, en face d'elle, en train de la fixer. Du coup, Elodie, elle se dit... Il est étrange quand même ce type, qu'est-ce qu'il fait encore là? Mais en soi, elle continue à ne pas faire vraiment attention parce que des gens bizarres, elle en croise assez souvent dans l'hôtel, donc Les minutes passent et elle constate que l'homme, il la quitte toujours pas des yeux. Elodie, se sentant de plus en plus mal à l'aise, décide de sortir de sa réception pour aller rejoindre les cuisines, histoire de ne plus être vue de lui. Du coup, pour s'occuper, elle commence à ranger un peu dans la cuisine, à plier les serpillières, à faire quelques tâches ménagères. Et elle oublie cet inconnu un peu bizarre. Quand soudain, en levant la tête, elle voit deux yeux dans l'entrebâillement de la porte qui la fixe. Elle sursaute et elle se dirige vers l'homme. Elle lui fait comprendre qu'il n'a pas le droit d'être là et il répond pas. Il retourne lentement s'asseoir sur le fauteuil de la réception. Et à chaque pas qu'il faisait, il se retournait pour vérifier qu'Elodie était bien toujours là. Et quelques minutes plus tard, Elodie monte au premier étage, elle se dirige vers la lingerie pour réapprovisionner le stock de serviettes, de shampoings, de gel douche dont les femmes de chambre ont besoin. Elle range le linge qui traînait et sort de la lingerie. Et là, en ouvrant la porte, elle tombe nez à nez sur l'homme. Là, elle commence à avoir peur et elle lui dit d'une manière un peu sèche que si son séjour est terminé, il est temps de partir, il n'a plus rien à faire dans cet hôtel. Toujours sans lui répondre, il se dirige vers les escaliers et afin de s'assurer qu'il quitte vraiment l'hôtel, elle décide de l'accompagner, mais en restant quand même derrière lui à une distance raisonnable. Le client se dirige vers la sortie, il sort de l'hôtel et là, Elodie... Elle souffle un bon coup, c'est bon, c'est fini, il est parti. Une heure et demie, voire deux heures plus tard, Elodie se rend aux toilettes du personnel, qui se situe au premier étage dans les vestiaires. Les toilettes sont occupées, il y a déjà une femme à l'intérieur, du coup elle attend. Et machinalement, elle regarde par la fenêtre qui donne sur le parking. Et au fond du parking, il y a trois grosses bennes à ordures. Et là, elle voit l'homme en question, l'inconnu étrange, accroupie derrière l'une des bennes à ordures. Bon, là, Elodie commence à paniquer, à vraiment avoir peur, et elle se demande mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il attend. La femme de chambre sort des toilettes, et là, Elodie lui raconte toute l'histoire. La femme de chambre n'a pas une réaction très apaisante, elle panique encore plus qu'Elodie, et elle lui conseille d'appeler la police. En retournant à la réception, Elodie n'appelle pas tout de suite la police, elle se connecte sur Discord, et elle raconte en conversation à plusieurs ce qui est en train de lui arriver depuis ce matin. Et là, tous les interlocuteurs lui conseillent vivement d'appeler la police. Certains lui disent qu'il est peut-être armé, peut-être que c'est un tordu ou un psychopathe, qu'il vaut mieux qu'elle appelle la police avant qu'il lui arrive quoi que ce soit, on ne sait jamais. Du coup, Elodie décide d'enfin appeler la police. Elle leur explique le problème et elle leur dit que l'homme se tient toujours derrière l'ébène. Dans les 10 minutes, la police intervient sur les lieux et elle les voit se diriger vers l'ébène et attraper l'inconnu. Ils échangent
quelques secondes avec lui et lui passe les menottes. De là, un policier vient voir Elodie et lui explique qu'en fait cet homme, il le recherchait depuis ce matin, que ce n'était pas un client de l'hôtel, qu'il était seulement arrivé certainement avant le service d'Elodie, du coup elle l'avait pris pour un client, mais en fait il se cachait dans l'hôtel, il n'était pas client. Et le plus glaçant dans l'histoire, c'est que dans son sac, il avait un couteau avec lui. Elodie est soulagée, elle se dit c'est bon, ça y est, c'est terminé, j'ai eu bien fait d'appeler la police, maintenant l'histoire est réglée. Sauf que 3 jours plus tard, elle est de service de l'après-midi. Sa collègue, qui était du matin, a vu cet homme venir la voir à la réception, en disant « je veux voir Elodie ». Là, sa collègue a l'air très étonnée, d'autant plus que depuis le temps qu'elle travaille ensemble, Elodie n'a jamais reçu de visiteurs sur son lieu de travail. Ce n'est pas dans ses habitudes. Elle n'aime pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Elle s'est donc méfiée et elle lui a dit qu'Elodie ne travaillait pas de la journée. L'homme s'est alors dirigé vers la sortie. Et là, Elodie nous dit que à l'entrée de l'hôtel, il y a un petit renfoncement où se trouvent les toilettes communes des clients. Sauf que durant la période du Covid, ils avaient condamné ces toilettes-là. Et là, sa collègue a entendu quelqu'un s'acharner sur la porte. Elle est allée voir. Et c'était le type qui venait de lui demander après Elodie qui est en train de s'acharner sur la porte. Elle lui demande ce qu'il fait, et là l'homme lui répète à nouveau « je veux voir Elodie ». Elle lui répond de nouveau qu'Elodie ne travaille pas aujourd'hui, et l'homme finit par s'en aller. 3 heures plus tard, sa collègue est sur le point de finir sa journée, donc elle est en train de nettoyer son poste de travail, tout en discutant avec un client habitué de l'hôtel. Et au moment où elle sort de l'hôtel avec ce client, lui se dirigeait vers sa voiture, elle se dirigeait vers l'ébène pour jeter les ordures. Et là, elle sursaute et reste figée, car il y avait encore l'homme qui cherchait Elodie, qui était de nouveau accroupie derrière l'ébène. L'habitué de l'hôtel, voyant la peur sur le visage de sa collègue, s'est dirigé vers elle pour voir ce qui se passait. Il a vu l'homme et l'a forcé à partir en le menaçant. Elodie arrive donc à son poste à 14h et là sa collègue lui raconte ce qui s'est passé avant qu'elle arrive. Avec la description qu'elle lui fait de l'inconnu, elle fait tout de suite le rapprochement avec ce qui s'est passé 3 jours plus tôt avec ce fameux type bizarre qui s'est fait arrêter devant elle. Elle lui conseille de rappeler la police pour leur expliquer ce qui s'est passé. Ce qu'elle fait dans l'après-midi entre 2 arrivées. La police lui dit que elle fera des rondes de temps en temps autour de l'hôtel pour surveiller. Et après cette journée de travail, Elodie a eu 1 semaine de vacances. En revenant au travail 1 semaine plus tard, un apprenti de l'hôtel lui apprend qu'un homme, se faisant passer pour un de ses amis, est passé à l'hôtel pour, soi-disant, lui faire une surprise. Il a prétendu qu'il venait de loin, qu'il avait perdu son adresse et son numéro de téléphone. Du coup, il a demandé à l'apprenti de lui donner ses informations. Sauf que l'apprenti avait été mis au courant de la situation auparavant. Du coup, il s'est méfié, à juste titre, et il lui a dit que c'était des informations sensibles qu'il n'avait pas le droit de lui transmettre. En revanche, il lui a proposé que s'il voulait vraiment parler à Elodie, le collègue pouvait donc téléphoner à Elodie et lui passer le téléphone. Sur ce, l'homme a refusé et est parti. Elodie n'a pas revu cet homme pendant un moment. Elle pensait donc que c'était terminé, que c'était enfin fini cette histoire. Mais un jour, alors qu'elle était en train de former une stagiaire, cette dernière lui indique qu'il y a un homme dehors qui la fixe, juste à l'entrée de l'hôtel, dans un angle mort. Elodie fait le tour du bureau et elle constate que c'est encore cet homme. Là, Elodie, elle commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Du coup, elle a la colère qui est montée en elle. Elle a encore du mal elle-même à expliquer ce qui lui a pris, pourquoi elle a fait ça. Elle se croyait pas capable de ça, mais tellement qu'elle était furieuse, elle est sortie, elle s'est dirigée en courant vers le type. Du coup, il s'est mis à courir également. Elle l'a rattrapé au niveau de la grille du parking et elle lui a mis un coup de poing en plein visage. L'homme s'est mis à saigner du nez, à l'insulter et est parti en courant. Bon, quand même, son élan de courage lui a quand même valu des jours d'angoisse suite à ça, parce que, normal, je dis bravo, mais en même temps, c'est vrai que c'était très risqué. Il aurait pu répliquer, lui faire du mal également. Là-dessus, on va dire, elle a eu de la chance. Mais du coup, voilà, elle n'était pas tranquille dans les jours qui ont suivi. Surtout qu'elle s'est après souvenue que la première fois que la police l'a arrêté, ils lui ont dit qu'il avait un couteau dans son sac. Donc là, elle s'est dit qu'elle avait quand même été un peu inconsciente, un peu trop impulsive sur le moment. Du coup, elle voulait même plus aller travailler, ni sortir de chez elle. Et c'est son petit ami qui a quand même essayé de la calmer, de la rassurer. Donc elle est retournée travailler. Et un jour, la police a appelé l'hôtel pour l'informer qu'elle n'aurait plus de problème avec cet homme, car il l'avait à nouveau arrêté. Ils l'ont trouvé en possession d'armes blanches, donc encore des couteaux. Et le policier lui explique que l'homme avait eu des propos
complètement incohérent, qui crie au complot, que c'était la faute des extraterrestres, enfin, des choses qui n'avaient aucun sens. Et lorsque la police lui a demandé ce qu'il voulait à Elodie, il a juste répondu par un sourire. L'homme a donc été interné en hôpital psychiatrique, sécurisé naturellement, et Elodie conclut en disant qu'elle ne saura jamais ce qu'il lui voulait, et j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux. Si vous êtes demandé au long de la vidéo comment il avait su le nom d'Elodie, tout simplement parce que chaque réceptionniste de l'hôtel portait un badge avec son nom écrit dessus. Tout simplement. C'est une histoire que j'ai trouvée assez angoissante parce que de ce que j'ai lu en fait, elle m'a quand même fait froid dans le dos parce que je me dis qu'en fait ce type-là, si elle ne lui avait pas dit bonjour quand elle l'a vu passer en courant devant elle, il n'aurait peut-être pas fait une fixation sur elle. Donc effectivement, je pense que cet homme était grandement dérangé. Il avait peur, il fuyait, je ne sais pas quoi. Et peut-être qu'elle, en lui disant juste bonjour avec un sourire, bah, je sais pas, il a fait une fixette sur elle, il s'est accroché à elle dans tout son délire de complotisme, de machin. Après l'histoire du couteau sur lui, effectivement, qu'est-ce qu'il comptait faire exactement d'Elodie ? Pas des choses très bonnes, malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, lâchez un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau trade. Et je vous dis à bientôt. Mouah. Bisous, ciao.